Moi, je suis née pendant la Seconde Guerre à Jaffa, en Palestine. Jaffa, à l'époque, était une grosse ville. Mon père à Jaffa était connu comme le loup blanc. Hein. C'est le docteur Bourreau. Énormément de personnes sont nées de ses mains. Il a pris le poste de médecin-chef de l'hôpital français de Jaffa en avril 1930. Notre vie en Palestine nous a plus que profondément marqués par les événements qui se sont déroulés par la suite. C'est en la période 47-48 que c'était une atmosphère de guerre. C'était tout le temps qu'on entendait des explosions, qu'on entendait des tirs de fusils, avec l'occupation par les Juifs le 15 mai 48. C'était une famille palestinienne donc, qui habitait sur le même palier que nous, à Jaffa. Ils n'ont jamais pu revenir. La Palestine se vidait de ses habitants arabes.